Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour avoir une peau claire. Et pas seulement pour lutter contre l'acné, mais aussi pour obtenir une peau globalement plus belle. Le meilleur truc pour une peau claire est le jeûne. Les avantages du jeûne sont incroyables et vont bien au-delà de la peau. Il peut en fait améliorer les infections, quelles qu'elles soient, virales ou bactériennes, et renforcer notre système immunitaire. Le jeûne est merveilleux pour notre vision. Ça peut nous aider si nous avons des problèmes oculaires, comme les cataractes ou le glaucome, et améliorer les troubles cognitifs, comme l'humeur, la mémoire et la concentration. Vous pouvez littéralement faire pousser de nouvelles cellules cérébrales avec cette simple astuce qui ne coûte rien. Le jeûne réduit le risque de cancer. Et même si vous avez un cancer, le jeûne peut aider à l'éliminer. Il est également bénéfique pour la santé hormonale et anti-âge. Il réduit considérablement l'insuline, qui aide à réguler les androgènes responsables souvent de problèmes de peau et à améliorer l'acné causé par le syndrome des ovaires polykystiques ou des niveaux élevés d'androgènes. Des études fascinantes menées pendant le ramadan ont montré des améliorations significatives dans les problèmes de peau, comme la dermatite, les démangeaisons, la réduction de l'inflammation, l'acné, le psoriasis et la rosacée. Mais alors comment le jeûne peut-il améliorer notre peau? En fait, on ne prive pas notre corps, il est simplement conçu pour ça, pour passer du temps sans recevoir de nourriture. Aujourd'hui, nous mangeons souvent et beaucoup parce que la nourriture est disponible partout. Et nous avons maintenant 3, 4, 5, 6 à 7 repas parfois par jour, ce qui est la pire des choses pour notre peau et notre santé. À chaque repas, on déclenche l'insuline, responsable de nombreux problèmes de peau. Le jeûne fait le contraire. Le jeûne augmente les cellules souches, remplaçant les cellules endommagées par de nouvelles, ce qui est anti-âge. Il provoque et stimule ce qu'on appelle l'autophagie, qui est un processus où notre corps recycle les cellules endommagées, ce qui signifie que nous allons créer de nouvelles et bonnes cellules dans notre corps. Les pires choses pour notre peau sont manger fréquemment, le sucre, les glucides, les huiles oméga 6 comme les huiles de graines, le stress, les allergies, un foie et un côlon encrassé peuvent aussi endommager notre peau. Et le jeûne peut améliorer tout ça. La vésicule biliaire est cruciale pour une belle peau car elle stocke la bile qui aide à absorber les acides gras oméga 3, la vitamine A et D. Une alimentation pauvre en graisse nuit à notre peau et à nos cheveux. Mais alors comment jeûner ? Simplement. La manière la plus simple est de sauter le petit déjeuner. En un premier temps, ne changez pas ce que vous mangez. On est simplement 2 repas par jour, à midi et à 18h par exemple, sans collation entre deux. Ce qui vous donnera 18 heures de jeûne, ce qui va énormément aider votre peau. Ajoutez des aliments fermentés comme le kimchi et le kéfir pour améliorer votre peau. L'huile de foie de morue est un excellent complément pour obtenir des acides gras oméga 3 et la vitamine A et D. Si vous en êtes friand. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça et quels sont vos problèmes de peau aujourd'hui. Vous allez retrouver un lien également dans la description si vous souhaitez aller plus loin et le lien vers certaines études. À bientôt dans une prochaine vidéo.